Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer deux comptes email à même numéro. Je vais tout expliquer en détail. Assure-toi de regarder toute la vidéo. Hey, salut tout le monde. Ici c'est ExusTBR. Bienvenue sur ExusChannel. Aujourd'hui, on se retrouve pour toute nouvelle vidéo, pour toute nouvelle tutoriel. En effet, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer deux comptes email à même numéro. Et oui, même si vous avez seulement un numéro déjà utilisé à un autre compte, vous cherchez comment avoir deux comptes à même numéro, vous avez tombé dans le bon côté. Avec cette nouvelle méthode que je vais vous montrer, vous allez réussir à créer des comptes email à même numéro. Je sais que c'est incroyable, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande de nous rejoindre notre communauté, à t'abonner et activer la petite cloche d'indication. Si c'est déjà fait, alors c'est parti. Première chose à faire, vous allez aller sur YouTube. Et voilà, c'est ici qu'on va créer notre nouvelle méthode, qu'on va créer plusieurs comptes d'email. Et oui, vous allez voir, moi aussi j'ai réussi à créer des comptes d'email juste en même numéro. C'est vraiment incroyable. Je vais aussi réussir à créer le troisième compte. Voilà, ici on va faire quoi? Vous allez cliquer ici en haut sur votre compte et vous allez cliquer encore ici et voilà sur votre compte. Voilà, ici vous allez voir, ici moi j'ai créé des comptes d'email juste à même numéro. Voilà les poteaux, vous avez vu, c'est ça ExusChannel et ExusChannel ici. Voilà, ça c'est pas un compte, ça ici c'est ça Channel, ici c'est Channel exec. Voilà, ici c'est Louville et ici c'est des comptes d'email. Voilà, ici on va faire quoi? Vous allez se diriger ici en haut. Hop, voilà, on va attendre vérification des informations. Ok, ici vous allez vraiment réussir à créer votre plusieurs comptes. Nouvelle méthode, vous allez vraiment kiffer. Je sais, vous allez vraiment kiffer parce que c'est une nouvelle méthode. J'ai découvert vraiment, je kiffe trop ça. Vous aussi, vous allez réussir à créer plusieurs comptes juste à cette nouvelle méthode. Voilà, là on va attendre vérification des informations. Ici là on va d'abord faire quoi? Et oui, ici on va faire quoi? Ici vous êtes sur votre connexion, ici c'est connexion, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur créer un compte. Voilà, ici c'est vraiment très très important. Vous allez vu ici pour moi et pour gérer mon entreprise, c'est ce qu'on va faire. Vous allez cliquer sur pour gérer mon entreprise, c'est vraiment vraiment intéressant. Là on va pas nous demander le numéro de téléphone. Vous avez vu un peu, vous avez vu un peu ce que je veux dire. On va pas vous nous demander le numéro, c'est vraiment, on va directement passer. Vous allez vraiment créer plusieurs comptes juste à même numéro. Vous allez voir comment on va passer, on va même pas nous demander le numéro de téléphone. Ici vous allez faire, vous allez saisir votre prénom et votre nom. Voilà, ici je vais faire ExusChannel. Vous allez cliquer votre nom ici, Channel D. Je fais Channel D. Channel D. Hop, vous allez cliquer sur suivant. Voilà, on va encore attendre vérification. Voilà, avec cette nouvelle méthode, vous allez vraiment aimer. On va réussir à créer troisième compte d'email et vous allez aussi réussir à créer plusieurs comptes d'email. Vraiment, c'est une nouvelle méthode. Ça, vraiment, vous allez vraiment kiffer. Vous allez voir, on va même pas nous demander le numéro, c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est ça. Connect, vous allez rester à créer. Mais ici vous allez mettre votre jour, date de naissance. Bah je vais mettre je vais prendre ça, hop, avril, hop, voilà, et mettre c'est moi comme ça. Ici vous allez saisir SS homme ou personnalisé. Voilà, je prends hop. Ok, vous allez cliquer encore sur suivant ici. Voilà, on va encore attendre. Mais pour vous, c'est vraiment ok. Vous allez réussir à créer les deuxièmes comptes à même numéro. C'est vraiment avec cette méthode que moi aussi j'ai réussi à créer les deuxièmes comptes juste à même numéro. Vous allez voir, vraiment, vous allez vraiment kiffer, mais seulement trois deuxième compte suffit. Là, vraiment, je suis très, très sincère. Il faut comprendre que si vous avez seulement un numéro, vous avez seulement un compte d'email, vous voulez ajouter le deuxième compte, là, c'est ok pour vous. Mais si vous avez déjà deux comptes à même numéro, vous voulez ajouter le troisième, là, c'est pas possible. Vous allez être bloqué par les numéros de téléphone.
J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, on va attendre les mises à jour. Voilà, nous sommes ici. On va attendre une autre page qui va entrer. Voilà, je vais attendre encore. On va attendre. Voilà, ici nous sommes à niveau des emails. Voilà, ici vous allez voir ici, on nous propose de choisir un des emails qui sont ici. Donc moi je vais choisir Chanel XD. Voilà, c'est ça, je vais choisir l'email. Là vous allez cliquer encore sur suivant. Vous allez attendre une autre page qui va entrer ici. Là on est presque. Et là, on va mettre seulement les mots de passe. Voilà, 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 voilà. Voilà, on va attendre. Voilà, ici, on va mettre les mots de passe. Pour ceux qui ne connaissent pas les mots de passe, comment mettre, je vais mettre ça ici clair avec vous. Pour les mots de passe, il faut choisir les lettres, et les chiffres et les symboles. Et les symboles. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, je vais faire ça et je vais mettre. Voilà, je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir ça. Et vous allez juste, exemple, vous allez répéter. Ça c'est l'exemple. Et vous allez mettre 5, par exemple. C'est, voilà, je vais mettre entre parenthèses. Je vais mettre 4. Je vais mettre A. Je vais mettre ici. Vous allez faire comme ça. Voilà, place, vous allez choisir entre plus. Voilà, vous allez mettre ça. Ok, c'est ça. Ici, vous allez faire quoi? Vous allez confirmer. Ça c'est les mots de passe pour que ce soit confirmé. Il faut que les mots de passe soient vraiment un peu compliqués là. Voilà, si, voilà, 4, A, ok, là vous allez voir, c'est les mots de passe. Voilà, c'est les mots de passe. Vous allez faire quoi? Vous allez juste répéter, vous allez modifier. Ça c'est l'exemple des mots de passe. Excusez pour le message de l'espace suffisant. Ici on va, ça nous sommes presque à la fin pour notre, voilà, examiner les informations de votre compte. Vous pouvez utiliser cette adresse email pour vous connecter plus tard. Voilà, je vais cliquer sur suivant. Hop là, vraiment nous sommes presque à la fin pour notre email. Si vous êtes déjà là, il faut savoir votre compte est déjà bien créé. Mais pour ceux qui est pour vous, vous allez seulement un compte d'email. Vous allez reçu à créer le deuxième compte d'email. C'est vraiment facile. Ici, c'est les règles de configuration. Vous allez cliquer ici sur accepter. Voilà, accepter. On va attendre confirmation de notre email. Voilà, ici, nous sommes à la vérification des informations pour la dernière fois. C'est vraiment facile. Vous allez reçu à créer le deuxième compte d'email à même numéro. Je vous assure, vous allez vraiment réussir avec cette méthode. C'est vraiment simple et rapide. Vous allez voir, on va créer le troisième compte avec ça. Voilà, on va attendre la vérification des informations. Et on va attendre encore. Voilà, on va attendre la vérification. Je vais attendre. Et oui, voilà, ici, on va voir. Ici, on va voir notre email qu'on va créer. On a créé. Ici, ça va apparaître. Ici, là, on va attendre. Notre email va apparaître ici. Là, on va directement confirmer que nous avons créé notre compte mail. Là, on va attendre. D'accord. Ok, on va attendre. Vous allez aussi attendre jusqu'à ce que vous allez voir votre deuxième compte email. Pour moi, c'est le troisième parce que j'ai déjà créé le deuxième compte email avec les mêmes numéros. Voilà, vous allez attendre. Vous allez encore attendre. Et oui, les potos, comme vous pouvez voir ici, j'ai bien réussi à créer le troisième compte email. C'est ça ici. Et oui, vous aussi, vous pouvez réussir à créer le deuxième compte email à cette méthode et sans demander les numéros. Et oui, félicitations à vous parce que vous avez réussi à créer le deuxième compte email. Et c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, lâche-moi un pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la petite cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. N'oubliez pas,
partager cette vidéo à tous tes amis. Et pour les abonnés, on se dit code d'âme à la prochaine vidéo, à la prochaine TikTok.